L'idée était de prendre cette matière brute, de la replacer dans une histoire différente en rendant Alice un peu plus âgée et d'explorer l'idée de la vie intérieure, de la vie des rêves. Et donc je me suis senti en fait plutôt libéré par l'idée de tenter cette expérience. Dans ce film, c'est pas vraiment le bien contre le mal, parce que c'est le pays des merveilles, donc personne n'est complètement bon ou complètement mauvais. Je joue la Reine Blanche avec un côté obscur. Si vous avez la chance de le voir en 3D, alors vous l'apprécierez vraiment. Surtout quand vous entrez au pays des merveilles, c'est là que la 3D devient vraiment vivante.